C'est d'abord les meilleurs moments de la semaine. Si on fait un miracle, je crois pas que ça va changer quelque chose dans ma carrière. Hein. Même les dinosaures. Ah mais là, il n'y en a pas ici. Bah non. C'est vrai que si j'avais pu être décisif et qu'on aurait pu aller chercher la victoire ou vraiment les embêter, je me serais pas gêné, mais je n'ai pas eu l'occasion. La partie sportive sera dédiée ce soir à Didier Defago, blessé le 15 septembre dernier. Samuel Bonvin. Malgré une météo capricieuse... Ouais. Ouais. Est-ce qu'on aurait eu les mêmes dégâts en 2000? C'est des chiens qui sont omnibulés par l'odeur. Ça fait chier de prendre 5 goals. Lors de la préparation d'une compétition, vous souffrez beaucoup, c'est comparatif. J'avais un très bon prof de géo à l'époque et je me souviens que c'était parce qu'il y avait des roches qui étaient plus dures, donc le Rhône a dû contourner et passer loin de ses... Ouais, il était pas si bon que ça finalement. La défaite des Montezans ce week-end face à IB. Colombey-Murat s'est logiquement incliné donc face aux Bernois. Jonathan Hart. J'étais aussi très, très rock, voire hard rock. Il y a armoise et armoise. Toutes les informations et les informations sont sur le site internet. Et toujours en hockey sur glace. Bonsoir Maxime. Ce soir au programme. Elle est un peu la Brigitte Bardot des hérissons. Chapeau Lolita. Je suis en admiration devant elle. Je tombe à genoux devant sa réussite. Bon, avec sa grande bouche, hein, elle, c'est aussi en tombant à genoux qu'elle a souvent réussi. Sexy à mourir, on va dire. Hein. Désiré, vous aimez ça? Je vais m'y mettre. D'accord.